Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Comme tous les jours, dans le cadre de cette émission, je suis heureux. Heureux, mais un peu plus heureux aujourd'hui de retrouver quelqu'un qui nous a fait quelques infidélités. Le mot n'est pas très heureux, mais enfin. Et c'est Léonie Candolo. Bonsoir et bonjour. Bonsoir. Et la deuxième personne que je voudrais présenter, c'est Modeste Boligaba, que tout le monde connaît. Modeste Boligaba, bonsoir et bonjour. J'espère que cette fois, on te montrera effectivement ses feux. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kiba. Merci. Et la dernière personne, c'est Monsieur l'abbé José Fondou. Monsieur l'abbé, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Jean-Pierre. C'est par le dernier que nous allons commencer. On a vu afficher là-bas unité. Est-ce que la réconciliation n'amène pas à l'unité, Monsieur l'abbé ? Ben absolument. C'est lorsque on est réconcilié que on devient un. Mmh. On est réconcilié avec soi-même, on devient un avec soi-même. Sinon, on est divisé, écartelé. Mmh. Si on est réconcilié avec les autres, on est un avec les autres. Eh bien, c'est ça qui rend un peuple fort. Et j'ai dit, peuple uni, peuple fort. Mm-hmm. Peuple divisé, peuple faible. Mm-hmm. Et la stratégie que nous connaissons depuis des lustres, hein, de ceux qui se sont toujours considérés comme des maîtres du monde, à l'époque l'Empire romain, eh bien, c'était quoi? C'était diviser pour mieux régner. Mm-hmm. Et lorsque vous êtes divisé, on peut vous maîtriser parce que vous ne pouvez pas avoir une action forte, hein, déterminante pour changer les choses. Et donc, l'unité, c'est une source de force pour un peuple, pour un pays. Un pays qui est uni, où le peuple est uni, eh bien, ça a toujours été, la préoccupation, hein, de ceux qui ont composé les hymnes nationaux de notre pays. L'hymne national de l'indépendance, eh bien, dès le départ, on dit unis par le sort et unis dans l'effort pour l'indépendance. Nous sommes unis par le sort, notre sort commun, hein, et unis dans l'effort pour que, en conjuguant nos efforts, eh bien, nous puissions atteindre nos objectifs. Et dans le deuxième hymne, celui du Zahir, eh bien, on dit peuple uni, nous sommes Zahir. Ouais. Peuple uni. Hein, et donc, on insiste sur cette unité, et c'est pas pour rien. Je crois que c'est aujourd'hui, ça vaut encore la peine. Merci, Monsieur l'abbé. Ce que Monsieur l'abbé n'a pas dit, c'est qu'il faut se réconcilier également avec Dieu. Dieu est où? Dieu est en moi, Dieu est en toi. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de parler de Dieu. Parce que lorsque je suis réconcilié avec moi-même, eh bien, je suis réconcilié avec le Dieu qui est en moi. Lorsque je suis réconcilié avec l'autre, je suis réconcilié avec le Dieu qui est aussi dans l'autre. Il est dans tout être humain. Mm-hmm. Et donc, même dans la nature, l'environnement. Oui, mais là, je vous pose une question compliquée. Allah, est-ce que Allah, c'est Dieu? Ben oui, Dieu a plusieurs noms. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire après cette entrée en matière de M. l'abbé? Oui, mais M. l'abbé a bien montré que la division est l'arme de ceux qui veulent dominer les autres. Mm-hmm. Ça remonte à l'époque de l'Empire romain. Sous Louis XIV, lorsque le Code noir a été élaboré, c'était encore une fois pour mieux diviser les Africains, pour mieux les esclavagiser. Mmh. Et là, on a été dans le raffinement pour organiser cette division. Parce qu'on a été jusqu'à dire, attention, on va montrer que ceux qui sont de petite taille, les Noirs qui sont de petite taille, ne sont pas comme ceux qui sont de grande taille. Ceux qui ont un nez un peu plus allongé, il faudra montrer qu'eux, ils sont différents des autres. Ainsi de suite. On a même été jusqu'à dire, il faut montrer aux femmes qu'elles sont un groupe à part, une classe à part. Mm-hmm. D'ailleurs, en montrant qu'elle est inférieure. Pour mieux, vraiment,
entretenu cette division de façon pratiquement scientifique. Et la colonisation a repris les mêmes méthodes. Surtout en ce qui nous concerne, les Belges, eux, disent, comment ils disent, leur devise, c'est... L'union fait la force. L'union fait la force. Et là, donc la division fait la faiblesse. Ils font autre chose ici. Alors, Madame Léonie Candolo, qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai que diviser est beaucoup plus facile qu'unir. Diviser, il suffit de lancer un mot, il suffit de lancer une théorie, il suffit de faire certains gestes et les gens se divisent. On peut même, avec des rumeurs, arriver à diviser les gens. On a divisé les hommes et les femmes, c'est pour ça qu'on parle du genre aujourd'hui. On a divisé les gens en les discriminant. Et le problème, c'est que quand la division a fait son chemin, la réconciliation demande un effort. L'union demande un effort. D'abord, il vous demande un effort sur vous-même, parce que si on vous a dit toute votre vie, vous êtes une femme, vous êtes une femme claire de peau, donc vous avez plus de valeur qu'une femme qui est noire de peau, qui est de la peau foncée. Mais pour que moi-même j'accepte que l'autre est mon égal, je dois faire un effort, parce que c'est toujours agréable de se sentir supérieur. Il n'y a pas un être humain qui va dire « moi j'aime bien être inférieur ». Non, tout le monde aime être supérieur. Donc je dois d'abord faire un effort sur moi-même pour accepter l'autre. C'est comme dans le racisme. Pour que les Européens, les gens qui sont blancs de peau, à qui on a toujours dit que les Noirs étaient inférieurs, ça leur demande un effort aujourd'hui pour se dire bah, « ce sont des êtres humains comme moi, ils ont la même valeur que moi ». Donc l'unité, la réconciliation, c'est quelque chose qui demande un grand effort. Et un effort sur vous-même, mais un effort qui doit être partagé. Parce que pour te réconcilier, pour être uni à quelqu'un, vous devez être deux. C'est comme dans un mariage. Quand on divorce, on était deux à divorcer, on était deux à se marier. Donc automatiquement, il faut se dire que se mettre ensemble, comme on dit, uni par l'effort, et uni dans l'effort. Il faut un effort. Il faut, et là, n'oubliez pas qu'on parle d'une nation. Donc on parle des individus, de familles, de clans, de tribus, d'ethnies et d'une nation en fin de compte. Donc c'est un travail énorme. C'est un travail énorme et qui devrait commencer, je pense, à l'école maternelle. On vient d'évoquer l'école maternelle. Monsieur l'abbé, vous êtes d'accord avec Madame Léonie que tout devrait se faire vraiment à bas âge, j'allais dire même en famille. Mais c'est justement de cela que je voulais parler. L'école maternelle, c'est un deuxième, je dirais, une deuxième étape. La première étape, c'est la famille, là d'où l'on vient. Être dans une famille unie, une famille unie. Les différences, elles viennent du fait que on n'a pas le même sexe, les différences viennent du fait qu'on n'a pas le même âge, les différences viennent, on n'a pas la même taille, on n'a pas la même couleur de peau. Alors, toutes ces différences sont instrumentalisées pour renforcer ou créer et renforcer des divisions. Et on te fait croire que toi qui es de petite taille, tu ne vaux pas. Ou toi qui es de peau noire, tu ne vaux pas. Je suis en Belgique, j'arrive aux études, à l'université, d'abord dans une paroisse, et parce que je parlais français, eh bien, les blancs qui étaient là, les Belges, disent « Ah, mais il parle si bien français !» Comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est pas possible qu'il puisse parler si bien français. Donc, c'est pour dire que la discrimination, qui est à la base de toute division, en fait, eh bien, se crée et s'entretient. Et donc, pour créer l'unité, il faut arriver à prendre conscience des germes de discrimination qui sont en nous, pour les défaire, en quelque sorte, les faire sortir, n'est-ce pas? Et se dire... en rejoignant un peu ce que Mme Léonie a dit tout à l'heure, c'est que
il y a le principe de la commune humanité qui nous dit, au-delà de nos différences, au-delà de ce qui nous différencie, nous sommes tous des êtres humains. Et c'est la prise de conscience égaux, voilà, l'égalité du genre humain. Une fois que j'ai pris conscience de cette égalité du genre humain, que je suis un être humain, que l'autre est aussi être humain, quel que soit ce qui le caractérise et qui est différent de ce qui me caractérise, mais nous avons en commun le fait que nous sommes des êtres humains. Et c'est cette base commune qui devrait être source d'unité et source de réconciliation. Tout à fait. N'est-ce pas, Modeste ? Tout à fait, parce que... Quand Madame Léonie a montré que il faut commencer dès la maternelle à forger cet esprit-là d'unité dans la tête de l'enfant qui grandit, c'est pour montrer que le mal aujourd'hui est tellement profond que on n'y arrivera pas si on continue à faire ça comme... Parfois, on fait des petites campagnes pendant quelques jours ou quelques semaines. Et puis, on dit, ben nous, on a fait ça pour la réconciliation, pour l'unité. Et puis, on passe à autre chose. Le travail qu'il y a à faire ici est un travail qui doit viser à réparer une société, toute une société qui est malade. La sphère familiale, évidemment, il y a des choses qu'il faut faire. Mais la sphère scolaire aussi. Donc il faut les deux. Et le travail qui doit être fait doit être un travail qui vraiment rompt avec l'ordre actuel qui est construit sur justement cette division, cette absence d'humanité, cette culture de l'inégalité. Donc le travail est très profond. C'est pour ça que j'en profite pour dire que la vidéo que j'ai vue avec l'abbé José et notre ami Didier Moumengi mérite d'être soutenue, parce que c'est effectivement de cela qu'il s'agit. Il faut considérer que une pause est indispensable pour que, on ne va pas dire que le gouvernement va fermer les portes de plus, non, c'est pour qu'il y ait des gens qui se disent: il faut absolument qu'on fasse le point. Des intelligences. Des intelligences qui se mettent ensemble. Et évidemment, à ce moment-là, on risque de penser que c'est encore la mangeoire qui est au bout de l'exercice. C'est ça, malheureusement. Mais il faut, eux, ils ont montré clairement qu'il ne s'agit même pas de ça. Qu'il s'agit de réfléchir sur... le Congo, parce qu'on n'a on a jamais réfléchi sur le Congo. On réfléchit sur qu'est-ce que moi je vais avoir là-dedans. Le plateau, on l'a fait. Nous, on n'arrête pas de le faire, mais ça ne va pas au-delà du plateau. Donc, il faut que là où les choses se font, qu'on puisse aussi se rendre compte que cette pause est vraiment indispensable. C'est vrai que, en parlant de famille, si déjà en famille on peut se rendre compte que le papa... la maman devrait encourager, décourager tout ce qui peut séparer les enfants. Ce serait déjà quelque chose. Ne pas dire Yosa Mwindu, Yaza, non. Faire en sorte que personne ne puisse se sentir inférieur. Mettre l'accent sur le fait que tout le monde est humain, tout le monde est, j'allais même dire, l'enfant de Dieu, tout le monde est pareil, j'allais dire. Encourager tout ce qui peut unir une famille. Si vous le faites dans votre famille, eh bien, vous aurez déjà aidé beaucoup à faire en sorte que, même au plus haut niveau, malgré la politique, tout le monde a le même objectif. Tous les Congolais, nous avons le même objectif, aller de l'avant. Ce que M. l'abbé a dit, je vais lui passer la parole, est tout à fait vrai. Nous sommes tous des humains. Le papa dira, vous êtes tous mes enfants.
le moniteur dira, vous êtes tous mes élèves, malgré vos différences. Monsieur l'abbé. Ben, je crois que c'est très important que nous prenions d'abord conscience de ce qui peut nous diviser et de ce qui nous divise réellement. J'ai observé la vie en société depuis les temps immémoriaux de l'histoire, n'est-ce pas? Il y a un facteur qui revient constamment et qui divise les hommes. Il y a la religion. La religion. Absolument. La religion divise. Et on a vu les guerres de religion. Tout à fait. Depuis longtemps. Même au sein de ce qu'on appelle la religion dite chrétienne. On a vu des guerres de religion. Les protestants, les catholiques, et les orthodoxes, les guerres de religion. Le schisme, n'est-ce pas, qui est intervenu dans l'histoire, n'est-ce pas? Les hérésies dont on a parlé, dont on parle dans l'histoire de la religion dite chrétienne, n'est-ce pas? Les guerres saintes, n'est-ce pas? Où on va, où, dans l'islam, la guerre sainte, mais dans l'église catholique, nous avons connu les croisades eucharistiques, n'est-ce pas? Tout cela pour dire combien la religion peut être et l'est souvent facteur de division. Moi, je suis catholique, toi tu es binsambinsambi. Avec des dents par ailleurs, mépris, n'est-ce pas? Donc tu ne vaux rien, n'est-ce pas? Et l'autre qui dit, moi, ma religion, elle est la meilleure parce que là, il y a des miracles, là, il y a ceci, là, il y a cela. Et vous autres, eh bien, vous ne savez pas prier. Et chez nous, on sait prier. C'est toujours, comme disait Madame Léonie, ce complexe qui nous habite de supériorité, n'est-ce pas? Parce que personne ne veut être inférieur à l'autre. Or, le principe de la commune humanité nous amène à nous départir de ces complexes de supériorité et d'infériorité. Parce que quelque part, il n'y a pas un homme supérieur qui domine, qui doit dominer les autres, et un homme inférieur qui doit se soumettre aux autres. Tous, nous sommes des êtres humains à part égale. Oui, monsieur l'abbé, c'est important. Oui, je voudrais juste que vous puissiez m'éclairer sur un chemin. Et à ce moment-là, l'émulation, on la met où? Mais l'émulation n'a rien à voir avec des complexes de supériorité et d'infériorité. Mm-hmm. L'émulation a à voir avec, je dirais, notre vocation à être meilleur. Ad maiora natussum, disait le cardinal Malula. Pour le meilleur, nous avons été créés. Pour le meilleur, nous sommes nés. Et donc, l'émulation, c'est je t'encourage, et on m'encourage, et j'encourage l'autre. Nous nous encourageons mutuellement à devenir très bien. Meilleurs. Merci. Modeste Brigueba. Ben, je dirais... Oui, on est justement dans cette... commune humanité. Oui, le facteur, quelqu'un a parlé du facteur, qu'est-ce qui peut être le facteur de division? Parce que il faut, je crois qu'on s'y arrête pour savoir pourquoi, en ce qui concerne par exemple nos leaders politiques, pourquoi il est si difficile de les mettre ensemble pour qu'ils se retrouvent entre frères. Parce qu'après tout, ce sont des frères. Et des adversaires seulement. Oui, justement, parce que justement, dans le cas de l'émulation, s'ils se considéraient uniquement comme des adversaires dans un jeu sérieux, où on veut montrer qu'on est le meilleur, ils n'iraient pas jusque à se détester à ce point. Mais c'est parce que, malheureusement, ils ont chacun un cercle d'amis extérieurs. Qui souhaitent que jamais ils ne puissent se mettre ensemble, parce que justement, les amis extérieurs veulent que leur champion puisse être le premier là-bas. Comme ça, eux, ils sont à l'aise pour faire ce qu'ils avaient déjà planifié. Or, les mettre ensemble risque de compromettre ce projet-là. Tout à fait. Parce que les mettre ensemble va peut-être conduire à ce qu'ils se disent, mais en fait, nous, si nous regardions d'abord le Congo,
s'il regarde le Congo, évidemment, ça n'arrange pas les amis qui, eux, sont dans une logique de fragilisation, de division pour mieux exploiter ce qu'il y a à prendre. Donc, je crois que le principal facteur de division, c'est celui-là. C'est le fait que chaque grand leader a son écurie à l'extérieur qui le pousse, qui le pousse, qui le pousse et l'encourage à ne pas entrer dans le schéma unitaire. Et là, on peut alors se rendre compte que c'est vraiment difficile, comme a dit Mme Léonie, de créer cette unité. Parce que ça compromet des intérêts importants. Des intérêts, évidemment, pas les nôtres, malheureusement, des intérêts des autres. Donc, la division, là, ce n'est pas facile, même si je n'ai pas dit que c'est impossible. Ce n'est pas facile de réaliser cette unité, mais il faut y travailler. Il faut y travailler de façon sérieuse. Si nous travaillons dans l'intérêt de ceux qui sont derrière, nous oublions le principal, c'est-à-dire l'intérêt de la nation et l'avenir de la nation et le bonheur de tout le monde. Madame Léonie. Oui, mais je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit, mais je pense aussi qu'un des grands facteurs de division, c'est la peur. C'est la peur, parce que il a parlé Monsieur Labbé a parlé des religions, et en fin de compte, quand vous voyez l'inquisition qui avait été faite en Occident, c'était la peur de la différence, la peur de ces femmes qui connaissaient des traitements que eux ne connaissaient pas. Donc il faut bien se dire que quand on a peur de l'autre, on le discrimine, on doit trouver des choses pour l'exclure. On a peur de sa capacité. Comme l'homme a peur des femmes, les femmes ont peur des hommes. Ah oui, absolument. Puisque à travers les siècles, c'est toujours les femmes qui ont été des sorcières, qui ont été des rebouteuses. En fin de compte, on avait peur de ce mystère qu'on n'arrive pas à contrôler. Et je crois qu'une des grandes raisons, c'est ça. Quand l'occidental est arrivé ici, il a vu l'homme noir. Et ne pensait pas qu'il a vu des sous-hommes. Il y avait une grande civilisation qui est en passe. Et ils ont eu peur. Ils ont paniqué et le pape a dit les noirs n'ont pas d'âme, donc on leur retire leur humanité parce qu'on a peur. Ils sont arrivés dans des civilisations prospères où il n'y avait pas de prison. Ils se sont dit c'est pas possible. En fait, quand on discrimine l'autre en général, c'est parce qu'on a peur de lui. Même en politique, les hommes politiques ont peur des uns des autres, ils se toisent. Et ils ont peur. Une fois que vous êtes en confiance avec quelqu'un, vous ne pouvez pas le discriminer. Vous vous sentez bien, vous vous détendez, vous discutez, vous échangez. Mais dès que la suspicion rentre, une forme de peur s'installe, une forme de, comment je peux dire, de malaise, de méfiance. C'est la débandade. C'est la débandade et c'est à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des religions, s'il y a eu une séparation dans l'Église d'Angleterre, c'est la peur de cet homme qui n'arrivait pas à contrôler toutes les femmes qu'il avait, etc. Donc l'islam et le catholicisme, c'est la peur du choc civilisationnel. En Europe, pourquoi on a peur des immigrants? Pourquoi on a peur? Mais parce qu'ils sont différents. On ne comprend pas leur civilisation. Vous savez, moi quand j'étais petite, à l'époque on ne discriminait pas les Noirs en Europe, dans les années 60 au début. Et quand on était à l'école, ça allait. Mais parfois, vous arriviez à l'église le dimanche, à l'église de la Madeleine, et les petits-enfants vous regardaient et ils disaient « Oh, ces petits-enfants ont des jambes en chocolat. » Donc, ils étaient curieux. Mais ils n'osaient pas vous approcher parce que si je la touche, est-ce que je vais déteindre? Donc, la peur vous met des barrières. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Oh, pour le moment, l'Occident a peur. L'Occident a peur de la Russie. L'Occident a peur de la Chine. L'Occident a peur des briques, de l'Inde, de ce que l'Afrique va devenir, puisque nous sommes l'avenir de l'Occident. Ce n'est pas eux qui nous aident, c'est nous qui les aidons. Et maintenant, ils ont commencé à avoir peur, parce que ils se rendent compte qu'on a les mêmes capacités, on monte en intelligence, on s'émancipe. Ils ont peur. Donc, ils doivent continuer à nous discriminer. Ils doivent continuer à montrer au monde entier que nous ne sommes pas des humains comme eux.
En fait, la balle est dans notre camp. Mais la balle est déjà dans notre camp. On a vu, on a vu la Guinée, on a vu le Burkina, on a vu le Mali. Se dire, ben, attendez, on est des êtres humains comme vous. On est capable de, on est sortis des mêmes universités. Et je le dis aussi toujours pour les femmes. On a peur des femmes, on les discrimine. Mais on sort des mêmes universités. Donc, quelque part, il faut arrêter d'avoir peur. Comme avait dit Jean-Paul II, d'ailleurs, n'ayez pas peur. Parce que j'ai l'impression que nous avons peur de vous. Non. Monsieur l'abbé. Merci. Vous parlez tellement bien, effectivement, que à ce rythme-là. On va aller même plus loin. Oui. Par rapport à cette peur. Vous savez, en psychologie, puisque je suis psychologue clinicien, en psychologie, on dit la peur est la mère de la violence. Absolument. Bien souvent, on ne réalise pas cela. Que c'est parce que j'ai peur de toi, j'ai peur que tu me fasses du mal, je soupçonne ou je crains que tu me... Je vais te fragiliser et je vais faire en sorte que je t'attaque le premier. Vous voyez? Je vais faire en sorte... Parce que j'ai peur de toi. Une image que je prends souvent, c'est l'image du chien de garde. Le chien de garde... Les voleurs ont compris leur psychologie en quelque sorte. Le chien, c'est par peur qu'il va attaquer. Et le voleur qui a compris ce mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'il fait? Il dompte le chien. Il lui lance l'os, n'est-ce pas? Ou un morceau de viande. Il en fait un ami. Et dès que le chien n'a plus peur de toi, mais il ne va pas t'attaquer. Il ne va pas t'attaquer. Et ce qui est vrai pour les autres espèces animales, l'est vrai pour l'être humain qui est aussi une espèce animale. Oui. Un exemple très, très, très simple que j'ai vécu quand j'étais gosse. On jouait avec les amis dans une savane, n'est-ce pas? À Bandal, il y avait une savane. Et je courais. Et à un moment donné, j'ai vu un serpent. Ah oui. J'ai vu un serpent. C'est l'exemple que j'allais donner. Et j'ai vu le serpent, j'allais mettre mon pied sur lui. Dès que j'ai vu ce serpent qui ne bougeait pas, j'ai retiré mon pied tout doucement. J'ai essayé de le contourner et le serpent n'a pas bougé parce que je n'ai pas fait peur au serpent. Si je lui avais fait peur, il m'aurait mordu. Et donc, quelque part, je crois que la peur est à l'origine de toutes les violences. Lorsque nous avons eu, parce que c'est d'actualité, on vient de célébrer les 31 ans depuis la marche de l'espoir de 16 février 92, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé le 16 février 92? Oui, racontez-nous ça. La peur a montré son vrai visage. La peur a changé de camp, en quelque sorte. La peur a montré où est-ce qu'elle était en réalité. On a toujours dit, le peuple a peur, le peuple a peur. Et quand le peuple s'est levé, n'est-ce pas? Parce qu'on lui a inculqué une certaine mentalité, une certaine manière de... On a chassé la peur. Eh bien, quand le peuple a chassé la peur, n'est-ce pas? A maîtrisé sa peur, eh bien, a pris conscience que non, nous ne devons pas avoir peur. Eh bien, ce sont les autres qui étaient au pouvoir en ce moment-là, la dictature qui régnait en ce moment-là, qui a pris peur. Et c'est par peur qu'ils ont appelé des soldats venant de l'Angola, de je ne sais où, pour brimer les manifestants pacifiques. C'est par peur. Ils avaient tellement peur que les choses changent en leur défaveur. Mais en réalité, ça n'allait pas changer en leur défaveur. Ça allait changer en faveur de tout le monde, en faveur du pays, en faveur de l'État, de la nation zaïroise, congolaise aujourd'hui. Donc, il est important... Il est important, même quand j'étais entendu comme ça lancer, dès que tu as posé la question, que l'argent était facteur de division, mais en fait, l'argent n'a pas d'âme, l'argent ne parle pas, l'argent ne marche pas, l'argent n'est pas animé, n'est-ce pas? Ce qui fait problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'homme qui a peur de perdre
ce qu'il a, ou qui a peur de perdre la source d'avoir, laquelle il est assis, en quelque sorte. En fait, c'est l'homme qui donne l'importance à l'argent. C'est l'homme qui donne l'importance à l'argent. D'accord. L'argent dont il a peur de perdre la possession, l'utilisation, est souvent égoïste. L'accumulation. Et puis qui le valorise aux yeux des autres. Oui, voilà. Bah, donc, manifestement, le vrai problème maintenant, c'est comment vaincre la peur. Parce que si on arrive à vaincre la peur, on surmonte toutes les difficultés dont nous venons de parler. Eh bien, vaincre la peur, c'est un immense chantier. Parce que, comme l'a dit Madame Léonie, c'est depuis Jean-Paul II, où il a dit « n'ayez pas peur ». Mais bon, on sent que la peur est toujours là. La peur est toujours là. Même le père du président actuel, lui aussi a invité les Congolais à ne pas avoir peur, à vaincre la peur. Mais elle est toujours là. Parce que quand on tire une première fois, La fois d'après, ce sont les parents qui disent ben, « là, tu ne sors pas aujourd'hui ». Donc, on a effectivement compris que lorsqu'on on affronte le camp d'en face sans avoir peur, c'est… Il recule. La peur change de camp. Et eux, sachant cela, ils font tout pour que la peur reste dans le camp du peuple. Et la prise de conscience que c'est cette barrière-là qu'il faudra franchir a du mal à prendre corps. Parce que la division est toujours à l'affût. On va dire attention, c'est telle tribu contre telle et tout ça. On met la tribu dedans et là, ça ne rate jamais. Lorsqu'on met la tribu, c'est parti. Donc, avoir la capacité de transcender les clivages tribaux et voir d'abord le Congo et dire non, pour le Congo, il n'y a pas de tribu, nous devons tous nous mettre ensemble pour que ce pays se mette debout, pour que le monde entier commence à nous respecter. Parce que comme l'a dit M. Labbé et à sa suite Didier Moumengi qui dit que comment peut-on comprendre que dans la sous-région, c'est le plus petit pays qui fait peur au plus grand pays. C'est quand même quelque chose qui… Et nous l'avions abordé lors du… Oui, qui pose que c'est manifestement un signe qui montre qu'il y a quelque chose qui a mal tourné quelque part. C'est pour ça que ce temps d'arrêt est important pour qu'on puisse répondre à toutes ces questions-là. On n'avait pas terminé… Ce temps d'arrêt, justement, on devait esquisser un peu la manière de considérer ce temps d'arrêt. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, tout à fait. Allons-y. Parce que, d'abord, la chose à ne pas faire, il faut commencer par ça. Comme ils l'ont bien dit, il y a eu beaucoup de rencontres depuis 60. Oui. Donc les gens vont avoir tendance, pour évacuer cette problématique, vous dire oui, mais ça fait une cinquantaine ou plus de rencontres qui n'ont rien donné. Et on croit qu'on a réglé cette question. Alors que justement, eux, ils montrent que ça n'a rien à voir avec les rencontres qui ont eu lieu depuis l'indépendance, parce que les rencontres avaient pour objet souvent le partage du pouvoir. Or, cette rencontre ici est plutôt orientée vers comment avoir un Congo différent de celui que nous avons jusqu'ici. Et aller au fond de ces questions demande à ceux qui vont y réfléchir de ne pas être dans la logique de penser aux prochaines élections. Il faut que ce soit des gens qui pensent aux prochaines générations, pas aux prochaines élections. Et donc, manifestement, il vaut mieux ne pas y associer ceux qui sont déjà dans la bataille pour avoir aussi accéder la mangeoire. Oui. Mangeoire. Et
c'est déjà la première. Considérer le pouvoir comme une mangeoire. Voilà, c'est de... donc c'est déjà la première chose qu'il faut éviter, de associer à cette réflexion importante des personnes qui pensent aux prochaines élections. Ce serait alors du temps perdu. Si on aborde cette question avec des gens comme ça, alors moi je dirais que ce serait un mort-né. Parce que la réflexion qui est sollicitée ici, c'est comment un pays comme le Congo, quand même, c'est un cas à part dans le monde. Il n'y a pas deux pays comme le Congo. Comment ce pays-là peut être dans la situation où il est aujourd'hui? Cette question-là déjà devrait nous pousser à nous dire effectivement il y a un problème très sérieux là. On va nous révolter. Nous révolter, oui. Donc si on y va avec des questions comme ça, c'est là qu'on peut être sûr qu'on sortira avec des solutions, des pistes pour sortir du mal, du marasme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui, moi j'aime bien cette vision de temps d'arrêt. Mais je crois que pour avoir un Congo différent, il faut des hommes différents. Donc ça veut dire que chacun de nous doit d'abord prendre un temps d'arrêt sur lui-même. Absolument. Ah oui. Ce que M. Labbé au début. Oui, parce que... Se réconcilier avec lui-même. Oui, mais la réconciliation est encore une chose, mais le temps d'arrêt, c'est un temps de réflexion. Le temps de réflexion, je suis là, pourquoi, comment, pourquoi j'agis comme ça, qu'est-ce qui m'a poussé à faire de mon pays ce qu'il est. Parce que nous sommes tous responsables. Absolument. Il n'y en a pas un qui dit, ah non, moi, j'ai rien fait, j'ai... Voilà. J'étais, parce que moi, j'ai corrompu, parce que moi, j'ai volé, parce que moi, j'ai eu des mauvaises paroles, parce que j'ai discriminé. C'est seulement quand on aura pris ce temps d'arrêt-là, chacun, et alors on dit, on y va. Parce que ce qui fait peur, c'est quoi? Quand vous prenez un temps d'arrêt, vous devenez un non-violent, puisque vous n'allez pas être agressif. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur, l'autre est ton égal. Tu l'abordes comme ton égal, avec les oreilles ouvertes, tu l'écoutes. Voilà. Il t'apporte quelque chose et vous construisez ensemble. Vous comprenez que les femmes sont dangereuses. Vous êtes unis. Elles réfléchissent très bien. Donc, vous êtes unis. Ben, vous voyez, là, vous aviez déjà une pensée discriminatoire au départ. C'est très grave, ça. C'est très grave. Pourtant, nous nous connaissons. Je ne vous connais pas d'aujourd'hui. Allez. Donc, en fin de compte, le temps d'arrêt... C'est pour la nation, mais c'est pour nous. Chacun de nous doit devenir un papier vierge, vierge de peur, bien sûr, pas d'intelligence, vierge de peur. Et dire, je vais écouter l'autre. Parce que le problème de tous ces débats, de toutes ces conférences qui ont lieu, on ne va pas là pour débattre, on ne va pas là pour écouter, on va là pour répondre. Or, ce n'est pas ça l'objectif. Si nous voulons construire, il faut aller pour écouter. Mais si chacun est là pour répondre, parce qu'il a peur, parce que quand on répond, c'est parce qu'on a peur, on est sur la défensive. Quand quelqu'un vous fait une remarque, directement, vous vous mettez sur la défensive. Vous ne construirez pas. Souvent, on n'écoute pas. On n'écoute pas du tout. On a déjà les réponses avant qu'il ait parlé. Voilà. On sait déjà ce qu'on veut dire. On sait l'idée qu'on veut avoir. Parce que nous avons raison. Parce que nous sommes les plus intelligents. Parce que nous sommes des professeurs d'université. Parce que nous sommes des grands converseurs. On a su gagner de l'argent. Parce que nous sommes des milliardaires. Parce que nous sommes des députés. Et ça, c'est ça qui bloque. Léonie, je voudrais te poser une question. Mm-hmm. Le problème n'est-il pas... N'est-il pas cette stratégie des partis où on se met d'accord que nous allons défendre ce point de vue? À ce moment-là, on est obligé de le défendre. Alors, il faut laisser, je crois, une marge en disant, nous, on va proposer ceci, on va écouter les autres, et on va se mettre d'accord. Or, en politique, il y a des stratégies. Ça, se bloquer, se fermer, non? Bon, je crois que, en tout cas, d'après la façon dont moi j'ai écouté cette vidéo, je ne l'ai pas vu du tout avec des partis politiques qui vont s'affronter. Non, par exemple. Donc, je l'ai vu avec des êtres humains qui s'affrontent. Mmh. Ou même pas qui s'affrontent, qui se rencontrent. Voilà. Donc, normalement, même dans les partis politiques, bien sûr, il y a des idéologies. Mmh. Bien sûr. Mais est-ce que vous me direz qu'au Congo, il peut avoir 1000... Dans le monde, il y a 1000 idéologies. Jamais. Non. Au Congo, il y a près de 1000 partis politiques. Donc, il n'y a déjà pas 1000 idéologies. Donc, ça veut dire que au moins
80% des gens ont la même pensée au départ. Maintenant, le problème, c'est que eux ne vont pas parce qu'ils viennent défendre des idées, ils viennent parce qu'ils veulent s'accaparer du pouvoir. Or, même le pouvoir, quand vous l'avez, vous êtes obligé de le partager. Parce qu'on ne peut pas avoir le pouvoir rien que pour soi. Un député, il a le pouvoir, il a un certain pouvoir, mais c'est un pouvoir représentatif. Il représente des gens, donc ce n'est pas son pouvoir. Alors, tant que les hommes politiques ne vont pas comprendre que le pouvoir qu'ils détiennent n'est pas le leur. Le pouvoir que le député de Lukunga détient, c'est mon pouvoir. C'est moi qui suis à Lukunga. C'est moi qui l'ai voté. Le chef de l'État, c'est mon pouvoir qu'il détient. C'est moi qui ai été mettre mon bulletin de vote pour qu'il soit élu. Et à partir du moment où on réfléchit comme ça, même les idéologies tombent. Parce que, on le dit bien, être ministre, je crois dans le sens étymologique, ça veut dire être serviteur de. Donc, à partir du moment où vous êtes le serviteur de quelqu'un, le serviteur n'a pas peur. Parce que on est dans le contraire de notre vie normale. C'est nous qui choisissons les serviteurs pour les élever. Donc, le serviteur ne peut pas avoir peur de moi. Donc, le serviteur ne doit pas rouler avec des militaires devant et des militaires derrière. Il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir peur de moi, puisque c'est moi qui en ai fait mon serviteur et qui l'ai élevé. Donc, vous voyez bien que si on remet chaque chose à sa place, ben, le monde change. Absolument. Très bien. Monsieur l'abbé. Mais je crois que j'en ai dit, tout a été dit dans ce que Léonie vient de dire. Je retrouve bien la première étape de ce que j'ai appelé le stop. Faire arrêt. S'arrêter pourquoi? Première chose, c'est la remise en question de soi-même. Se remettre soi-même en question. Se poser cette question de ma responsabilité vis-à-vis de ce qui arrive. Il est temps. Et je ne cesserai de le dire et de marteler là-dessus, il est temps qu'on quitte cette politique de la recherche de bouc émissaire. Absolument. Et tout le temps se dire, ce qui arrive à notre pays, ce qui nous arrive, c'est la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. En interne, eh bien, c'est la faute. Si il y a quelque chose, c'est la faute de Jean-Pierre, n'est-ce pas? Et Jean-Pierre va dire, non, c'est la faute de Modeste. Et personne ne dit, prends la responsabilité. Où est ma propre responsabilité? Qu'ai-je fait? Et je dirais même, que n'ai-je pas fait? Qu'ai-je omis de faire pour que nous en arrivions là? Si cette question n'est pas posée, si chacun de nous ne se pose pas cette question, nous allons tourner en rond. Parce que quelque part, lorsque tu attaques l'autre, tu dis que c'est toi qui es le responsable, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui a détruit le pays. L'autre va dire, non, c'est toi. Et il va se défendre. Et nous entrons dans une guerre qui n'aura pas de fin. N'est-ce pas? Si ce n'est que la destruction définitive de notre pays. N'est-ce pas? Ça, c'est l'étape, à mon avis, crucial, fondamental, où on établit sa responsabilité personnelle, mais où on établit aussi la responsabilité collective. Parce que nous sommes tous responsables, mais nous sommes chacun responsable. Et une fois que l'on a fait ce travail-là, en premier lieu, nous pouvons aller plus loin. Et plus loin, c'est la deuxième étape qui consiste à se dire quel est le Congo dont nous rêvons? Quel est le Congo que nous voulons bâtir ensemble? Parce que jusqu'aujourd'hui, il faut dire, nous travaillons avec une vision du Congo qui n'est pas la nôtre, qui est toujours celle des autres. Assoyons-nous et posons-nous la question, quel est le Congo dont tu rêves? Quel est le Congo dont je rêve? Quel est le Congo dont il rêve? Mettons ensemble nos rêves pour arriver à un rêve commun. Le Congo dont nous rêvons, comme quelqu'un rêve de la maison dans laquelle il veut habiter. Monsieur l'abbé, avocat du diable, nous ne sommes malheureusement que des humains avec nos erreurs. Vous parlez comme si on était au paradis. Non, je parle avec mes deux pieds sur terre. Tout à fait. En faisant bien la part des choses, en disant que moi, José, j'ai aussi ma part de responsabilité. Moi, Église catholique, j'ai aussi ma part de responsabilité. Parce que je n'ai pas fait ceci, parce que j'ai fait cela, que nous sommes arrivés là où nous en sommes.
je prends, hein, pour ne parler que de l'Église catholique à laquelle j'appartiens, n'est-ce pas? Tous ces gens, la plupart de ceux qui nous dirigent, la plupart de ceux qui sont dans nos gouvernements, la plupart de ceux qui sont nos députés, nos sénateurs et tout cela, la plupart sont partis, sont sortis des écoles catholiques. Et la question qu'on devrait se poser, quel type d'hommes nous avons produits? Nous avons mis sur le marché de la vie, n'est-ce pas? Quel type d'hommes? Et on ne se pose, on ne se remet pas en question. Remettre en question notre système éducatif suppose que nous, qui avons pris en main ce système éducatif, et l'Église catholique, il faut l'avouer, a joué un grand rôle dans la formation, dans l'éducation. Eh bien, c'est une fois s'arrêter et se dire, qu'avons-nous fait? Pourquoi ces gens-là, ces hommes et ces femmes qui sont sortis de nos écoles, qui sont sortis de nos églises, de nos églises, n'est-ce pas, ne sont pas à même de produire un pays différent de celui qui est là et de celui dans lequel nous vivons. Exactement. Là, à mon avis, est un exercice qui demande beaucoup d'humilité. C'est-à-dire, nous devons nous abaisser et ne pas nous gonfler la tête en croyant que c'est nous qui sommes donneurs de leçons. Nous n'avons de leçons à donner à personne. Merci, monsieur l'abbé. Il ne reste plus que 9 minutes. Oui, je crois que nous sommes en train de cheminer vers vraiment l'esquisse de... le cœur de cette problématique. C'est que, comme vous venez de dire, nous sommes des humains, nous sommes avec nos faiblesses, etc. Mais au moins, on sait que, clairement, nous avons une conception mauvaise du pouvoir d'État. C'est clair. Le pouvoir d'État, pour nous, ce n'est pas un service. Ça, c'est clair. Parce que si c'était un service, il n'y aurait pas cette bagarre qu'on a là. On ne peut pas se battre pour dire, voilà, moi je sers mieux que vous. Si c'est vraiment pour servir, c'est le peuple qui va bien sûr juger. Qui va dire, tiens, ça c'est vraiment, il est très bon. Mais si c'est nous-mêmes les prétendants au service, si nous commençons à nous battre, c'est que il y a un truc derrière. Nous, le pouvoir d'État, c'est autre chose. C'est un business. Ce n'est pas service en tout cas. C'est un business. C'est un business. Donc, un raccourci. Je peux vendre ma maison pour être député, parce qu'avec ce qu'on a annoncé comme salaire là-bas, ben, je me retrouve. Mais ce n'est pas pour aller servir mes électeurs ou le peuple congolais. Manifestement, non. Parce que si c'était cela, la conception que nous avions du pouvoir, on n'en serait pas là, clairement. Nous avons du pouvoir, et comme l'a dit M. l'abbé, nous sommes tous responsables de ça. Parce qu'on a même créé des chansons, Zamba Ponio, Salelaye, et tout ça, tout pouvoir vient de Dieu. Bah, donc, à ce moment-là... Pas de nous, mais de Dieu. De Dieu. Est-ce que vous aidez à ce moment-là la citoyenneté à s'installer? Lorsque vous dites que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, clairement, c'est autre chose. Et il faut que tout ça soit mis sur la table pour qu'on se rende compte que nous devons changer de chemin. Manifestement, il faut changer de chemin. De logiciel. Oui, madame. Donc, en fin de compte, comme on dit, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Je crois que nous tous... Nous devons faire notre arbre de construction. Et chacun où nous sommes, nous devons penser, quand on va aller voter, quand on est élu bien sûr aussi, qu'il ne faut jamais oublier la redevabilité. Voilà. Nous sommes tous redevables. Moi, je suis redevable parce que je dois payer mes impôts. Toi, tu es redevable parce que tu as été élu et que tu es censé me rendre un service. Parce qu'il faut se mettre dans l'idée, quand tu es PDG d'une entreprise, tu rends un service. Tu es le PDG de la Régie des Eaux. Oui, et Lengui, tu as des belles jeeps et tout, mais tu es là pour un service. Tu es un député, tu es là pour me rendre un service. Tu es ministre, tu es là pour rendre un service. Et ce service, nous devons pouvoir le juger. C'est ça la redevabilité. Et c'est ça que nous oublions beaucoup trop souvent.
que nous sommes d'ailleurs tous redevables les uns aux autres, même comme nous sommes assis ici. Notre parole, les gens en prennent compte. Elle ne s'envole plus. À notre époque, il n'y a plus aucune parole qui s'envole. Toutes les paroles sont inscrites dans les vidéos, dans les trucs, dans le net. Donc, il faut faire très attention. Nous sommes redevables de notre parole. Absolument. Et tant que nous n'allons pas comprendre ça, eh bien, nous n'allons pas aller en avant. D'accord. Monsieur l'abbé. Pour renchérir dans ce que Léonie vient de dire, dans ce que Modeste a dit, lorsque on dit que tout pouvoir vient de Dieu, faisons attention. Le pouvoir qui vient de Dieu n'est pas un pouvoir dictatorial. Ce n'est pas un pouvoir de domination. Et par ailleurs, d'ailleurs, quand on lit bien les Écritures, tous ceux qui ont prétendu recevoir le pouvoir de Dieu, c'est pour rendre service. Et Jésus, qu'on cite, n'est-ce pas, dans ce genre de choses, n'est-ce pas, ben, il a dit, celui qui veut être le roi, le grand, le premier, qu'il soit le serviteur des autres. Tout à fait. Et lui-même, qu'on a appelé maître, qu'on a appelé seigneur, qu'on a appelé roi, tout ce que vous voulez, eh bien, il a dit, vous m'appelez de tous ces noms-là, seigneur et tout, mais regardez, je suis à votre service. Mmh. Je lave vos pieds comme un esclave le fait pour son maître. Très belle illustration. Alors, je crois qu'il est temps que nous n'utilisions plus la religion, n'est-ce pas, pour justifier nos déviations. Merci, monsieur l'abbé. Est-ce que ce qui nous manque le plus n'est pas la discipline, en fait? Dans notre pays, quand on vous raconte ce que font les clowns, quand on vous raconte ce que font certains éléments de la police, quand on vous raconte ce que... Est-ce que le problème n'est pas là? L'indiscipline. Vous êtes au service du peuple, mais vous ne le faites pas, vous n'êtes pas discipliné. Est-ce que ça ne nous manque pas beaucoup, ça? Absolument, absolument. C'est que nous avons en place un système laxiste. Un système qui encourage l'indiscipline. Permissif. Permissif. Parce que si c'était un système rigoureux, qui ne transige pas lorsqu'il faut... Comme la Chine le fait. La Chine n'hésite pas à fusiller un ministre qui a commis un crime économique ou qui a fait quelque chose de tout à fait inacceptable. Eh bien, lorsqu'on arrivera à ce niveau de montrer clairement qu'il y a une ligne rouge qu'on ne peut pas dépasser, qui que vous soyez, à ce moment-là, la discipline va commencer à s'installer. C'est parce qu'il y a ce laxisme, ce laisser aller, cette impunité institutionnalisée, que on se dit, ben, je peux brûler le feu rouge, mais il n'y a pas de conséquences, je peux faire, il n'y a pas de... Alors à ce moment-là, les gens, l'indiscipline vraiment s'installe et se généralise. Moi, vous savez, toute discipline... Sur la discipline, oui. Toute discipline, quand il y a la discipline, il faut une sanction. Et une sanction appliquée. C'est comme les petits enfants à la maison. Si tu casses ceci, il va arriver ceci. Si tu ne vas pas dormir à telle heure, il va arriver ceci. Mais tant qu'il n'y a pas de sanction, vous ne pouvez pas avoir de discipline. L'être humain n'est pas discipliné de nature. L'être humain a besoin de règles. Et il sait que s'il transgresse les règles, il y a une sanction. C'est per fretar un petit peu. Donc, les petits enfants, pour recevoir des cadeaux, ils savent qu'ils doivent être sages. Mais si vous recevez des cadeaux, même quand vous n'êtes pas sage, dites-moi pourquoi vous allez devenir sage. Monsieur Dabé, on a fini presque. Ben, on a fini presque, je dirais, la discipline, en fin de compte, elle doit venir de l'intérieur. Absolument. Tant que la discipline est fondée sur la peur de la sanction, le jour où tu es sûr qu'on ne va pas t'attraper pour te sanctionner, eh bien, tu fais exactement ce qui est interdit. Bien sûr. Mais à partir du moment, et je mettrais plutôt discipline ensemble avec conscience morale, l'éducation de la conscience, la formation de la conscience morale qui fait en sorte que cette discipline qui vient de l'intérieur, qui n'est pas liée à la peur de la sanction, sera une discipline qui va nous amener loin. Parce que c'est angélique, oui, d'accord, mais on doit pouvoir rêver dans c'est ça la réalité intérêt. Mais voilà. La discipline, la sanction devra malgré tout être appliqué. Être appliqué, je crois.
C'est vrai que si nous arrivons jusqu'à solliciter notre intérieur, ce serait l'idéal. Ce serait vraiment l'idéal. Que je sais, on m'a corrompu aujourd'hui, on ne me corrompra pas demain puisque je suis en train de tuer mon pays. Si ça, nous pouvons arriver à ce niveau-là, eh bien, on aura même dépassé l'être humain. Mais la sanction, elle, on l'appelle de tous nos voeux. Modeste, vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? Je suis d'accord avec vous, mais comme nous ne serons pas des anges... Nous sommes des humains, mais nous pouvons faire un effort. Écoutez, ce nous pays sommes tous anges, mi-anges, mi-démons, nous le savons ce tous. Ce pays est grand, et il faudrait que ceux qui habitent ce pays puissent être capables on tend de vers le meilleur. Voilà, de tendre vers le meilleur. L'émulation, comme il a dit. Dernier mot. Ce n'est pas pour nous bénir. Bon, enfin. La sanction positive. Et la négative aussi. La sanction constructive. Parce que la sanction négative a des conséquences aussi fâcheuses. Il faut qu'on se le dise. La sanction négative a des conséquences aussi fâcheuses. Un exemple très simple. Oui. Un confrère gabonais a été mis en prison par Bongo, Albert Bongo à l'époque. Albert Bernard. Voilà. Il a été mis en prison politique. Et au moment où il sort de prison, 4 ans après ou 5 ans après, on le relâche. Eh bien, sa famille lui dit, écoute, arrête ce que tu faisais, maintenant que tu as quand même suffisamment souffert, tu arrêtes cette histoire. Eh bien, quand il répond à sa famille, il raconte comment ça se passe. Ces gens qui ont été en prison, sanctions négatives, privé de liberté, malmené, maltraité. Lui, il a vécu pendant 4 ans ou 5 ans. On a terminé, M. Labéa. Oui, eh bien, c'est pour dire que à un moment donné, il dit, je vais continuer. Je vais continuer. Et si on m'arrête, eh bien, je leur dirai, ne vous tracassez pas, je connais le chemin. Donc, ça veut dire que, quelque part, nous devons réfléchir sur la sanction. D'accord. Et c'est un problème important. Quelle sanction pour le changement? Oui. Pas une sanction pour faire peur et pour installer la rééducation. Mais sanction pour la rééducation, sanction pour le changement, c'est à cela que nous devons arriver. En attendant, effectivement, ce que prêche M. Labbé, il a complètement raison. Si nous roulons en n'ayant pas peur de la police, eh bien la sagesse, non seulement la sagesse, on va tuer les gens, on va faire des trucs, il y a un certain moment... La discipline doit s'installer. Si elle ne s'installe pas, malheureusement, en attendant, il faudra sanctionner. La sanction constructive peut-être, sanction quand même. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce numéro est terminé. Merci beaucoup, Léonie, d'être venue apporter ce son de... Fraîcheur. Cette voix de la femme, bon, ce charme de M. Labbé. Je vous remercie. Bonnie Gaba, M. Labbé aussi, surtout pour votre fidélité. Je n'ai rien dit de mal. Hein. Merci, vous êtes fidèle. Donc, il y a Madame, merci. Merci à vous aussi. Et à 15 jours.